Aujourd'hui, le but il est très très simple. Faire apparaître Spider-Man et Huggy Wuggy dans mon appartement. Pour cela, j'ai mis en place une petite installation. Suivez-moi, c'est parti. Une première caméra située vers les escaliers devant mon appartement. La voici, caméra numéro 1. Voici ce qu'elle filme. Ensuite, la caméra numéro 2, située vers mon couloir. Voici ce qu'elle filme. Là, du coup, nous avons plein de portes de placard. Ici, nous avons une porte qui mène directement à mon setup. Let's go, vous allez voir. Voilà, mon setup, là où est-ce que je vais faire ma vidéo. Ensuite, on referme et là, nous avons trois portes. Une première porte ici. Cette porte-là, elle mène à mes toilettes. Celle-ci, à ma salle de bain. Et enfin, la porte de droite, eh bien, elle mène à ma chambre. Du coup, on se retrouve sur Minecraft. Comme je vous l'ai dit, les caméras de mon appartement sont reliées à mon Minecraft. Regardez avec la caméra numéro 1 située sur les escaliers devant mon appartement. Pour l'instant, rien à signaler, c'est normal. On n'a absolument rien fait dans Minecraft qui permette d'invoquer soit Spider-Man, soit Huggy Wuggy. Ensuite, caméra numéro 2, let's go, on est dans mon couloir. Et là, encore une fois, rien à signaler. Et bon, c'est bon, vous l'avez vu, les caméras dans mon appartement sont reliées à Minecraft. Ça, c'est vraiment très très cool. Et toutes les autres caméras que vous voyez ici, ce n'est pas 25 caméras dans mon appartement, mais plein de caméras qui sont situées un petit peu partout dans ma villa. Du coup, dans un premier temps, il va falloir attirer Spider-Man et Huggy Wuggy dans Minecraft pour qu'ils apparaissent ensuite dans la vraie vie dans mon appartement. Alors j'ai plus envie de voir Spider-Man que Huggy Wuggy, mais il y a moyen que Huggy Wuggy se batte face à Spider-Man et ça c'est extrêmement stylé. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. Pour attirer Spider-Man dans un premier temps, j'ai ma petite idée. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va construire un abri extrêmement haut, un abri ultra sécurisé mais très très haut. Comme ça seul Spider-Man pourra y venir et on va tenter d'attirer Spider-Man avec Zendaya à l'intérieur. Non, je rigole. Bref, non, on va pas faire ça du tout. Non mais voilà, j'espère qu'il va venir dans cet abri ultra sécurisé. On va tenter de lui passer des appels, etc. Et puis voilà. Du coup, pour cette petite vidéo, je serai accompagné de Raison, vous le connaissez, ainsi que Koba. Salut tout le monde. C'est Raison, c'est mieux Koba. What? J'ai pas tout compris là. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est parti. On va commencer à construire cet abri extrêmement haut pour attirer Spider-Man. Je vais chercher les matériaux et on commence. Je suis de retour avec les matériaux nécessaires. Let's go. Donc voilà, on va construire des petits piliers. Voilà, tac tac. Alors ça, c'est pour que ce soit solide, pour que ce soit une structure solide. Et ensuite, on monte, voilà. Alors, ok, comment est-ce que je vais faire? Ok. Ah ouais, ça va être plus compliqué que ce que je le pensais. Puisqu'on peut pas en fait sauter et mettre un bloc comme ça sous nous. Ah ouais, ça c'est un peu plus complexe. Bon, c'est pas grave, en vrai il va falloir que je fasse des tours avec ces blocs là, en vrai ça le fait, tu vois. Et que je monte petit à petit. Bon, ça le fait en vrai, donc let's go, on va construire ça. De toute façon voilà, c'est pas une partie très intéressante. Ok, j'ai un peu fait, ok super. Bon, c'est pas une partie très intéressante. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que c'est construit, eh bien je vous retrouve, ce sera un peu plus facile. Parce que là c'est vrai que bon, pour vous ça va être un petit peu ennuyant de voir cette petite structure se construire. D'ailleurs je m'excuse d'avance si parfois dans cette vidéo je suis pas très énergique. J'ai juste la maladie qui commence par un C. Je peux pas le dire en vidéo parce que sinon je peux être démonétisé. Genre il y a vraiment un blacklist des... C'est pas un blacklist mais en gros toutes les vidéos qui concernent ce sujet sont démonétisées. Mais je le mettrai en commentaire épinglé, voilà, vous l'avez sans doute compris. Ça commence par un C, c'est une maladie que j'ai attrapée. Donc voilà, je suis coincé chez moi. C'est pour ça que je vais pas faire de vidéo à l'extérieur pour l'instant. Que tout se passe dans mon appartement, voilà. Bref, on se retrouve une fois que la base spéciale Spider-Man est construite. Les abonnés, comme vous pouvez l'observer, voilà, la base de Spider-Man en l'air commence à bien avancer. Regardez, on a fait tout ce qui est pilier, voilà. Et ensuite on a échelle pour monter, eh bien, dans la base. Donc voilà, ça avance plutôt bien, c'est plutôt cool. Je vais aller continuer du coup la construction hein, puisque voilà, on a que ça à faire. Allez, je vais sauter ici. Let's go, hop, c'est bon. Ah tiens, j'ai envie de faire un petit truc, on va faire un petit checking caméra quand même. Petit checking caméra, voilà. Let's go, dans mon escalier. Let's go, voilà mes escaliers, ok, ok. Alors pour l'instant, pas grand chose à signaler, c'est logique. Hop, ok. Oh, fais gaffe, il a failli me pousser. Faut que je fasse attention, et ok, et ensuite couloir, let's go. C'était drôle. Ok, couloir, rien à signaler non plus. Bon allez, on retourne faire la construction. C'est parti, allez, c'est parti, let's go. Et on se retrouve une fois... Oh, j'ai failli mourir. On se retrouve une fois que c'est fini. Let's go. C'est bon la team, la base est terminée. Alors let's go, voilà, je vais vous faire visiter. Bon, en vrai de vrai... En vrai de vrai, voilà. Je lui mets pas une très bonne note niveau design, elle est pas très stylée, bah, mais elle est efficace. Moi je trouve elle est pas mal hein. Ouais ça va, ça va, ça va. On lui a mis quelques couleurs un petit peu de Spider-Man, t'as capté. Genre voilà, on se dit que ça peut peut-être l'attirer, mais en vrai de vrai voilà, surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va passer des coups de fil. Puisque voilà, j'ai un petit peu de connaissances dans le milieu. Souvenez-vous quand même, j'ai affronté Venom, du coup voilà. Bon, let's go, je vais descendre, on va aller voir par la contre, base. Diabolo. Ouais, Diabolo. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je vais devoir vous laisser parce que là je dois aller acheter une voiture. Ah ouais, tu vas acheter quoi? Ouais, je vais acheter un RS3 là. Ah ouais, ah oui, oh, ça marche bien en ce moment YouTube. Je vais acheter un RS3 quand même. Non mais bon, en vrai mais du coup ouais, je vais vous laisser mais je reviendrai peut-être après hein. Vas-y, ça marche. Vas-y, bah à plus Non, reviens pas. Vas-y, à plus. Vas-y, peut-être à tout à l'heure du coup. Vas-y.
Du coup, les abonnés, on va aménager un petit peu cette base, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Surtout mettre des ordinateurs, etc. Et puis aussi, bah, pour pouvoir appeler Spider-Man et pour qu'il vienne, ça pourrait être vraiment stylé. Du coup, let's go. On va tout installer ici. Bon, les abonnés, regardez, j'ai pris tout ce qu'il fallait, voilà, pour avoir, eh bien, un PC, etc. Voilà, attends, je vais virer tout ça. Let's go. Hop, hop, hop. Voilà, on va aménager tranquillement la petite base. Du coup, c'est parti pour l'aménagement. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, j'ai même le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a Spider-Man, quoi? Wow. Il y a Spider-Man. Spider-Man, il est là. Ça a marché. J'ai même pas eu besoin. Ok. Waouh, Spider-Man, il vient énorme. Ok, ok. Bon, Spider-Man, je sais que t'es Peter Parker, hein, il a pas besoin de... T'inquiète, je le dirai à personne. Motus et bouche cousue. Bon, du coup, Spider-Man. Ok, Spider-Man, est-ce que tu viens pour nous aider face à des monstres? Est-ce que tu connais Huggy Wuggy de Poppy Playtime? Oui, il le connaît. Ok, 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 incroyable. Ok, il connaît Huggy Wuggy de Poppy Playtime. Est-ce que actuellement il est en ville déjà? Oui, déjà. Ok, les abonnés, on va pas tarder à checker les caméras. Ok, Spider-Man, écoute. Ok, ok, bah c'est cool. Alors, Spider-Man va nous aider. Ça, c'est super cool. J'ai une question. J'ai une question. Ouais, vas-y, demande-lui. Est-ce que tu me trouves beau gosse en vrai? J'ai une nouvelle coupe de cheveux. Non. Bon, Spider-Man, vas-y. Ok, c'est cool de t'avoir dans le coin. Va surveiller, je pense, les horizons, etc. Tu vas surveiller tout ça. Ok, il va repartir, je pense, les abonnés. Ok, let's go. Ouais, c'est ça, va-t'en. Oh là là. C'est méchant. Tellement stylé de voir Spider-Man. Nous, on va continuer d'aménager cette base. On va surtout commencer à regarder. Puisqu'il a annoncé, voilà, qu'il y avait Huggy Wuggy qui était là. Du coup, on va commencer à regarder les caméras. Les gars, je regarde la caméra numéro 1 située sur les escaliers devant mon appartement. Et pour l'instant, rien à signaler. Caméra numéro 2, let's go. Oh, Spider-Man. Spider-Man est là. Spider-Man est dans mon couloir. Ok, trop stylé. Ok. Bon, je vais pas aller voir tout de suite, voilà, pour l'instant Spider-Man est dans mon couloir, c'est génial. Je vais pas aller le voir tout de suite, on ira le voir plus tard, je vous le promets. J'ai envie de le voir de mes propres yeux, vous inquiétez pas. Juste là, ce serait de la perte de temps étant donné qu'on doit aménager cette salle là. Et ensuite qu'on doit aller voir tout de suite Huggy Wuggy parce qu'il commence à faire nuit. Donc faut qu'on se dépêche. C'est bon les abonnés, la base est enfin finie. Alors voilà, on a un petit bureau très simple aux couleurs rouges avec un petit PC portable, un petit routeur, mais aussi un petit téléphone et ensuite voilà un canapé. Alors maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher dans la maison la poupée de Huggy Wuggy. Vous le savez, la petite poupée, voilà. Alors effectivement on va aller la chercher et on va l'amener dans la salle des incantations. Voilà, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez de quelle salle je parle. Sinon d'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et pour dire à tes abonnés, voilà, que t'étais là avant le million, que tu fais partie des anciens de ma chaîne. Tu peux aussi d'ailleurs mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, puisqu'à 10 000 pouces bleus, je refais une nouvelle vidéo avec des caméras chez moi, où j'essaie d'attirer n'importe quel monstre. Le monstre, voilà, que vous pouvez me dire en commentaire. Bon bref, j'ai cherché la petite poupée, mais c'est au deuxième étage. Let's go, je vais la chercher. Une fois que je l'ai. C'est un monstre en vrai. De quoi, Raisin, c'est un monstre? Ah non, j'ai déjà fait les caméras escalées devant chez moi parce que Huggy Wuggy apparemment est déjà en ville. Ok, rien à signaler, pas de Huggy Wuggy. Dans mon couloir tout à l'heure, on avait Spider-Man. Ok, Spider-Man n'est plus là. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à signaler. Let's go, on va chercher la poupée. Let's go de Huggy Wuggy. Allez, c'est parti. Let's go dans ce tiroir. J'ai rangé la petite poupée de Huggy Wuggy. La voici, voilà. Donc, let's go, on va l'amener dans la salle des incantations pour invoquer Huggy Wuggy dans Minecraft. C'est une salle, voilà, c'est 100% sûr que ça va fonctionner si on l'invoque dans cette salle. Du coup, let's go. Alors, même s'il est déjà en ville, en vrai, moi j'ai envie de le faire venir ici. Et je sais que c'est grâce à cette salle qu'on va pouvoir le faire venir. Alors, du coup, t'es où, Koba? Koba, t'es où? Je peux, je me suis perdu dans la maison. Bah, t'es où la salle? Sors devant la maison. Ok. Vas-y, let's go. Ouais. Ouais. Moi je check vite fait, j'ai entendu du bruit dans mon couloir. Je vais checker dans mon couloir. J'ai rien à signaler. J'ai pourtant entendu du bruit, je vous le jure. Qui est bizarre. J'écoute. On va dans la grotte. Il y a du bruit dans mon couloir. Il y a rien à signaler, c'est bizarre. On va se dépêcher dans la salle, ça commence à être inquiétant. Dans ma grotte? Ah non. Non, dans la salle des incantations, on va poser la poupée de Huggy Wuggy. Et let's go. Allez, c'est parti. Donc voilà, les abonnés, je fais le chemin, là je me dépêche. Voilà, on vient de passer la montagne et là la salle n'est plus très loin. Alors j'ai fait un petit détour, hein, en vrai à chaque fois je vais trop loin. Donc let's go, hop, c'est par là. Allez hop, let's go, tu m'as bien suivi Koba? T'es juste derrière moi? Je crois que je t'ai vu. Oui, hein. Oui, je suis okay, derrière. Let's go, ok, on peut passer par là, mais ah ouais, c'est pas la meilleure entrée. Parce que là ici on va tomber. Je crois que la meilleure entrée. Eh ouais, tu sais pas voler toi, elle est ici, elle est ici, la meilleure entrée. Let's go, voilà, nous y sommes. Du coup voilà, alors il faut traverser cette première salle. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au jeu de celui qui répète là? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au jeu de celui qui répète là? Non, surtout pas ça, ça va être tellement relou pour les viewers. Non. Allez, ouais, c'est bon, arrête-toi. Du coup là, voilà, donc là on a une première petite salle. Bon, en vrai c'est dans l'obscurité un peu, vous voyez pas grand chose. Ah, c'est chaud. Là ici on a les bains thermales, voilà, qui sont extrêmement chauds, c'est cool. Ensuite on passe ici, voilà, on traverse le petit pont. Et là on va arriver dans la salle. Effectivement dans la salle des incantations, nous y sommes, voilà. Il va falloir poser la petite poupée de Huggy Wuggy.
Alors faut faire attention, faut faire attention. Aïe, 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 aïe. Ok, ah, j'ai failli prendre feu. Et là du coup il va falloir poser la poupée de Yuki Yuki au centre, voilà, ici, en lévitation sur le pentacle. Let's go. Voilà, la poupée de Yuki Yuki est positionnée. Donc la voici. Bon, en vrai elle est pas très effrayante comme ça. Mais là, oh, t'as changé de couleur, comment? Oui, il fait trop chaud ici. Ah, c'est trop stylé. Ok, bon, let's go. Du coup maintenant la poupée est posée. Donc là on a plus qu'à faire le chemin inverse. On va ressortir d'ici. Alors, ok, alors on. Ah, mais je peux aller dans le feu, alors je m'en fous. Ouais, attends, il va falloir que je prenne des blocs pour sortir parce que c'est pas complexe. C'est où la sortie? Bref, les abonnés, on se retrouve directement à la villa. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, on va assez vite dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Les abonnés, nous sommes de retour à la maison. Voilà, let's go. Et là, je vais checker les caméras chez moi puisque Huggy Buggy est bien et censé être apparu. Voilà, let's go. Attendez, je vais aller me planquer dans la petite chambre là-bas, histoire d'être un petit peu à l'abri, parce que là, vraiment, à tout moment, Huggy Buggy apparaît. Est-ce que vous êtes prêts, les abonnés? Let's go. 3, 2, 1. Je check les escaliers. Il y a Huggy Buggy. Huggy Buggy est là. Ok, j'arrive. Je vais checker, je vous dis si je le vois là-bas. Je prends un truc pour filmer, j'arrive. Ok, il semble être parti. Étrange. Ok, je suis de retour. Huggy Buggy n'était pas là. Mais bon, c'est quand même, je suis quand même plutôt inquiet. Huggy Buggy de Pop Playtime était en train d'arriver dans mon appartement. Alors normalement il y a Spider-Man qui est là pour me défendre. Mais où est-ce qu'il est Spider-Man d'ailleurs dans Minecraft aussi? Spider-Man! Faudrait qu'il revienne, faut que je lui dise voilà de venir aussi dans la vraie vie pour qu'il me défende dans la vraie vie. Spider-Man, t'es où? Il est où Spider-Man? Ok, il est là, oh, Spider-Man. Spider-Cochon. Ok, Spider-Man est là. Ok, Spider-Man, il faut que tu me défendes contre Huggy Buggy, ok? Ok, Spider-Man. Ah bah tiens, bon là il est trop faible, il sait pas le faire lui. Non, non, bah là ouais, je peux pas. Bah là, clairement me défendre dans la vraie. Faudrait que tu viennes dans la vraie vie, ok? Faudrait que tu viennes dans la vraie vie, ok? Ok, Huggy Buggy est chez moi, donc tu viens dans la vraie vie, c'est bon, t'y es? Ok, je vais checker du coup. Alors du coup, c'est parti, escalier. Ok, c'est bon, Huggy Buggy n'est plus dans les escaliers. Bon, je suis allé checker de toute façon tout à l'heure dans la vraie vie, donc ça allait. Je check dans mon couloir. Huggy Buggy est là. Huggy Buggy, oh, Spider-Man vient d'apparaître devant Huggy Buggy. Ok. Ok, Huggy Buggy vient de disparaître. What? Ok, énorme. Alors, Spider-Man a légèrement eu peur, vous avez vu. Mais quand même, ça fait disparaître Huggy Buggy. Ok, trop stylé. Ok, merci Spider-Man, merci Spider-Man. T'es venu dans la vraie vie. Ok, par contre le problème c'est que là Huggy Buggy il a juste disparu. Mais en vrai il est pas quitté mon appartement. Il va falloir qu'on piège Huggy Buggy dans Minecraft. Attends, il faut d'abord qu'on le repère dans Minecraft. Il va falloir qu'on le repère dans Minecraft, les abonnés, c'est important. Du coup on va checker les caméras, c'est parti. Ok, je vais mettre le mode nocturne, voilà, on voit bien. Il y a Huggy Buggy juste ici. Regardez, on le voit. Ok, il est devant la maison, attendez, alors 5. Ok, ça fonctionne pas, 6. Mince, attendez, il faut que je revienne. Peut-être la caméra 3, ok c'est bon. Caméra 3, vision nocturne, ok. Regardez, on le voit. Alors, il faut que je l'arrive à bien la diriger la caméra. Okay, je suis désolé, je suis en stress pour diriger la caméra. Ok, Huggy Buggy est là. Ok, let's go. On peut peut-être aller essayer de le choper. Il est devant, vous le voyez? Je crois qu'il est vraiment là, il est vraiment là. Ok, il est juste ici. Aïe, aïe, attention. Il vient de disparaître. Attendez, je vais regarder chez moi. Je regarde dans mes escaliers. Ok, rien à signaler. Je regarde dans mon couloir. Ok, la porte au fond à droite qui s'ouvre, celle qui est dirigée vers ma chambre. Ok, je vais les vérifier. J'arrive. Dans un instant, j'arrive. Les abonnés, je vais vérifier. Ok, la porte est bel et bien ouverte. Let's go, c'est ma chambre. Allumez la lumière. Est-ce que vous pensez que Huggy Buggy de Pop Playtime est là? Je vais regarder d'abord derrière la porte, ok. Oh, ça vient de me toucher le pied. Wow, attendez. Sous le lit. J'ai juré que ça m'a touché le pied, je sais pas. Peut-être je me suis fait un film. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, rien du tout, à part des vêtements. What? Ok. Bon, les abonnés, je pense que je vais retourner devant le setup. Je vais éteindre la lumière ici. Et je vais retourner devant le setup. Très inquiétant quand même. Let's go, on retourne devant le setup. Je suis de retour, les abonnés. Il n'y avait rien à signaler. J'ai bien regardé sous le lit, etc. Rien à signaler, très étrange. Je vais essayer de bien m'installer. Ok, on va retourner à l'intérieur de la maison. Bah parce que regarde, en fait, il peut regarder ses pouvoirs. Vas-y, fais-le. Ah, regarde, c'est tellement stylé. Non, c'est stylé en vrai. Non, c'est stylé. Vas-y, refais-le. Attends, on va vous montrer, c'est vraiment stylé. Tu vas genre de en haut, d'ici là. Tu vas le faire de en haut ici, regarde, ici là. Ah là là, vraiment stylé, voilà. C'est Spider-Man, il est vraiment stylé de fou. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi chez moi, mais là, faut vraiment qu'on arrive à le faire revenir chez moi. Bon, Spider-Man, il va falloir que t'affrontes Huggy Buggy. Du coup, il va falloir que je te file des armes. Je vais aller chercher ça dans ma chambre. Alors, dans ma chambre, il n'y en a plus. Attends, dans quelle chambre il pourrait y en avoir? La chambre de Jérôme. 100%, il y a des armes là-bas. Je vais l'équiper en armes, etc. Mais surtout, il a du pistou, ouais. Ouais, il a du pistou, c'est vrai. Alors, il y a plein de pistou. Il faut qu'on trouve de quoi équiper Spider-Man pour qu'il soit plus puissant pour affronter Huggy Buggy qui, je sais pas où est-ce qu'il est là actuellement. En tout cas, il est plus là.
Faut qu'on le retrouve, faut qu'on le retrouve. C'est bon les abonnés, j'ai retrouvé son placard où il cache ses armes. Let's go, voilà, un bazooka plus 64 missiles. Ça va bien le servir. Spider-Man, t'es où? Viens Spider-Man. Ok, il est juste ici. Vas-y Spider-Man, Spider-Man, là, 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 viens, viens, viens. Allez, fais un petit saut d'ici pour voir comment c'est stylé. Ah mince, il l'a pas fait, bon tant pis. Oh, un échec. Il va le faire. Oh là 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 là, mais quel beau gosse. Il s'est bouffé le mur. Bon tiens, hop, let's go. Tiens, je te file ça et ça, let's go. Spider-Man avec des armes. Là maintenant, il est beaucoup plus puissant pour affronter Huggy Wuggy. Même si en vrai, je pense qu'il avait pas besoin. Mais bon, voilà, on sait jamais, ça va peut-être le rendre un peu plus fort. Mais en vrai, ouais, voilà, il dit que non. Parce qu'en vrai, rien qu'avec ses fils, etc., il est beaucoup plus puissant normalement qu'un simple basica. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. En tout cas, il recommence à faire jour. Il faut qu'on retrouve Huggy Wuggy. Je vais checker voir Huggy Wuggy où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est toujours dans la maison? On va checker les caméras. Devant, il a l'air de rien avoir. On va checker les caméras juste après chez moi, vous inquiétez pas. On va checker un peu plus dans la maison. On va aller dans la, plus dans la maison. Là, c'est la chambre de Jérôme. Ok. Là, on est à l'étage, on voit Spider-Man. Ok. Là, on est à la piscine. Bon, en vrai, on a checké pas mal de caméras chez moi. Maintenant, il est temps d'aller voir les caméras dans la vraie vie. Let's go, escalier, rien à signaler. Let's go, caméra. Tout simplement, voilà, couloir, rien à signaler. Ok, ok, attaque la caméra. Ok, 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 les abonnés. Ok, ok. Il faut qu'on fasse quelque chose. Let's go, let's go. Je l'entends dans mon couloir. Ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que, absolument, que Spider-Man. Il faut qu'on piège Huggy Wuggy, vraiment, vraiment. Il est où Spider-Man? Spider-Man, viens, viens, viens. Il s'en va. Ouais, où est-ce qu'il est? Ok, où est-ce qu'il est, Huggy Wuggy? Il faut qu'on le retrouve. On va checker les caméras extérieures. Alors, la 4, rien à signaler. Attends. Ok, j'ai juste. C'était la petite source d'eau au fond là. J'ai cru que c'était Huggy Wuggy, mais non, c'est bon. 5. Ok, 6. Rien à signaler. 7. Il est juste là. Il est juste là. Ok, Spider-Man, Spider-Man, t'es où? Ok, ok, vite, Spider-Man. Il est juste là, viens, viens Spider-Man, il faut qu'on l'attaque. Attaque-le, attaque-le, attaque-le. Il est juste là. Il est juste là. Ok, où est-ce qu'il est passé? Disparu. C'est des hallucinations, Diabolo. Il faut qu'on le retrouve. Allez, viens, 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 Spider-Man. Let's go. Il faut qu'on le chope, il faut qu'on le chope et qu'on le piège. Il faut qu'on arrive à le piéger. Okay. Arrivé. Ok, ok. Non, non, je te jure que je l'ai vu ici. Je l'ai vu ici, peut-être qu'il est rentré à l'intérieur. On va aller checker. Ok, il est pas là. Il est là, il est là, il est là. Ok, ok, let's go. Attaque-le, Spider-Man. Attaque-le, attaque-le, attaque-le. Ok, Spider-Man est en train de l'attaquer. Ok, il faut que tu le mettes dans des toiles. Il faut que tu le mettes dans des toiles. Ok, c'est Spider-Man contre Huggy Wuggy. Ok, 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 ok. Oh là 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 là, il est en train de mettre des. Wow, 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 wow. Il est en train d'enfermer Huggy Wuggy dans plein de toiles d'araignée. Oh, tellement stylé. Incroyable. Eh, c'est bon, c'est bon. Il a capturé. Incroyable, les abonnés. Moi, je crois que c'est parfait. Je crois que c'est top. Bon, les abonnés. Et eh bien voilà, Spider-Man. Alors, je vais checker vite fait les caméras chez moi. Escalier, rien à signaler. Couloir, rien à signaler. J'ai l'impression que c'est bon, les abonnés. Spider-Man en est venu à bout de Guigui. Alors rajoute des toiles parce que regarde, il essaie de sortir là. Rajoute des toiles, ok, parfait, parfait. Bon, en tout cas, j'espère, les abonnés, que cette vidéo vous aura plu. Attention, rajoute-en. Waouh, waouh, rajoute-en. Ok, ok. Il va falloir le tenir un petit peu comme il faut parce que là, c'est un peu chaud. Oh là 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 là. Bref, les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais confiance à Spider-Man pour le tenir, pour le tenir dans ses toiles. Un grand merci à DK, Spartax ainsi que Raisin de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Toutes leurs chaînes sont en description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, à tout le monde les potos, je vous aime et à très très vite.